toujours quand Darko se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. Hey, bonjour les gars. Dans cette vidéo, je parle pour moi et exclusivement pour moi. Si vous faites super atalakoutiste. Quoi? Si vous faites super atalakoutiste. C'est pas l'atalakou. Hein? C'est pas l'atalakou. Ah, au revoir. Continue. Continue. Alors, vous avez certainement vu ces images de Frambia. Alors, vous avez certainement vu ces images de Frambia. Oui. Oui. Mon cher Frambia, pour une fois, j'ai eu l'impression que la vie des Camerounais te tient à cœur. Ah bon? Et ça, ça m'a fait le plus grand bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on souffre tellement que ce genre de ce genre d'image nous réchauffe le cœur. Je le savais quand même à Talakoustiste, mais je ne savais pas que Dieu avait déjà quitté le cœur de Steve Fa. Pourquoi? Parce que quand il apparaît sur les réseaux sociaux, c'est pour demander au président, au fils du président, ce qu'il est allé faire à Bankolo. Hein? Si c'est parce qu'il doit être président, il n'a qu'à lui dire. Ah bon, hein? Oui, oui. Les gens disent que tu veux être président du Cameroun. C'est ton droit le plus absolu. Quitte-la! Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça? Vraiment, petit frère. Calme-toi. Certaines personnes, j'ai vu certains commentaires des gens qui disaient il est allé là-bas en qualité de quoi? Et j'aimerais répondre qu'en qualité de Camerounais. Est-ce qu'il n'est pas Camerounais? Je sais que quoi? C'est pas son pays aussi. Ne vous occupez pas de ce qui ne vous concerne pas. J'ai dit que... Mais, mon frère, hey! Le Camerounais que je suis n'a pas de problème de nom du président ou tribu du président. Ça, c'est clair. Les problèmes que j'ai, c'est les problèmes de route. D'électricité, d'eau, d'hôpitaux, d'école. Voilà les problèmes que j'ai. Ça signifie que si aujourd'hui, Grand Barak est président du Cameroun. Ah, hein? Qui? 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 Grand Barak est président du Cameroun. Venez, oh, venez. Je vais t'amortir. Continue. Continue. Si aujourd'hui, Grand Barak est président du Cameroun. Et qu'il peut nous construire des hôpitaux dignes de ce nom. Je ne sais pas parler ce qui ne vous concerne pas. Alors, je vote pour lui. C'est-à-dire? Alors, j'aimerais te suggérer quelque chose. Si vraiment telles sont tes ambitions, devenir président du Cameroun. Hé hey! On t'a fait quoi? On est dépassé. Mon cher grand frère, tu es le fils du père. Alors, j'imagine que tu peux parler aux oreilles du père. Le monde part en couille. Non! C'est aujourd'hui que Steve Fa vient faire part de tous les problèmes parce qu'il a vu le fils du président se rendre sur les lieux de l'éboulement et il cherche déjà la position. C'est pas vrai! C'est vrai! Écoute très bien! À ta place, moi c'est ce que j'aurais fait en tout cas. Demande au père de te nommer ministre. Juste un instant pub et on se prend après. Alors je voudrais attirer l'attention de ces hommes qui sont à la, de ces femmes qui sont à la recherche d'enfants depuis plusieurs années. Si vous avez été diagnostiqué stérile à l'hôpital, voici la solution pour vous. C'est cette gamme de produits 100% bio qui vous apporte le bonheur dans la famille. Dans cette gamme, vous allez retrouver ces purges essentiellement conçus pour dégager au niveau de la gynécologie de la femme tout type de déchets qu'on retrouve à ce niveau-là. Parce que le plus souvent, on consomme des produits pour le ventre alors que le problème est localisé au niveau de la gynécologie de la femme. Vous allez retrouver cette ovule qui permet d'activer de manière rapide et efficacement la glaire cervicale, qui permet de remonter les hormones chez la femme. Alors c'est toute une gamme de produits conçus uniquement pour les femmes qui souffrent à la recherche d'enfants. Et à côté de cette gamme, vous avez ce qui est prévu pour l'homme. Le spermatose qui vient travailler la qualité, la quantité du spermatozoïde chez l'homme pour permettre à l'homme d'avoir un sperme de qualité mais aussi de quantité. Ok. Demande au père de te nommer ministre des grands travaux ou alors ministre des je sais pas quoi. Un ministère nouvellement créé. Hein. Vous me rendez dingue. Ministre des grands travaux, voilà. On va appeler ça comme ça. Tête de plume. Une fois que tu es ministre. Écoutez très bien. Construis-nous des hôpitaux dignes de ce nom. Ah, comme il est, avec sa tête comme la pierre. Oh! Nous sommes le continent. Tendre par là. Construis-nous les écoles dignes de ce nom et jette définitivement ces problèmes des enseignants. Ne parlez pas ce que vous ne connaissez pas. C'est le vol qui nous intéresse. Il faut manger, boire, aimer les femmes. Allez dire. Vraiment, c'est malheureux. Règle-nous le problème, Enéo. Règle-nous le problème, Kamwata. Quand vous l'entendez parler, il ne peut jamais échouer dans un problème. Finis-nous l'autoroute Yaoundé-Douala et toutes ces routes problématiques à l'extrême nord, Marwa-Kousséri, toutes ces routes à l'est du pays, l'est qui
À mon sens, c'est abandonné. Mon frère. Je te jure, mon frère, tu déposes ta candidature, je vote pour toi. Dégage là-bas devant moi. 9 mois de souffrance dans le ventre. Vous devenez ça. Je te dis que 9 mois perdus, 9 mois dans l'eau. Voilà. Je vote pour toi. Eh, gars. Donc, que ceux qui bavardent continuent de bavarder et citer le nom du président en longueur de journée partout. Moi, je pense que Paul Biya, lui, il a déjà fait sa part. Et c'est pour ça que je pense qu'il sera toujours élu. C'est fini. Après lui, qu'est-ce qui va se passer? Je m'interroge. Que faites-vous, vous qui voulez être président du Cameroun? Vraiment, petit frère, calme-toi. C'est le moment de mouiller le maillot. Mais oui, c'est clair. On est fâché. Vous racontez quoi? C'est le moment de prendre le nom de Paul Biya, mettre de côté. Et mouiller le maillot pour que le peuple, parce que le peuple vous regarde, les gars. Quoi? Quoi? T'as dit quoi? Tu racontes quoi même? T'as dit quoi? Il faut répéter, j'ai pas compris. C'est le moment de prendre le nom de Paul Biya, mettre de côté. Et mouiller le maillot pour que le peuple, parce que le peuple vous regarde, les gars. Quitte là-bas. Si vous voulez mériter la confiance des Camerounais après Paul Biya, vous devez mouiller le maillot et c'est le moment. Vraiment, petit frère, calme-toi. Cher Franck Biya, je faisais cette vidéo pour toi. Hein. Quoi? Cher Franck Biya, je faisais cette vidéo pour toi. Hein. Voilà, je savais. Je vous aimez voir avec les yeux. Nous là, non. Nous, non. Les Camerounais, on a vendu la honte aux chiens, mon frère. C'est souillant, hein. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans, ça me dépasse. Voilà, cher Benguis, désormais, faites comme Franco quand vous arrivez au pays. Lavez vos habits chez Mr. Kling. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous lavez dans n'importe quel pressing. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Kling. Mr. Kling est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Kling. Mr. Kling est situé à Ngousso, face Total, à Emana, face Mesafi, à Bastos, Carrefour, Moto Georges, village des jeunes au niveau des Tétat, Biémassi, immeuble Express Union. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.